Salut. Salut, j'ai chaud. Oui. Donc du coup, en cette fin d'été, je nous emmène au Cabaret Vert qui s'est déroulé du 24 au 27 août. Festival de musique à Charleville-Mézières. Et alors qu'est-ce que t'as fait là-bas? Donc du coup, j'ai capté plus l'ambiance de la foule. Parce qu'on pouvait pas parler de certaines personnes puisque c'était une foule. 100 000 personnes présentes sur tout le week-end. Tu dois avoir l'habitude maintenant des festivals. Ah oui, bah oui. Et du coup, là, il y avait des grosses têtes d'affiches, surtout internationales. Comme Denzel Curry ou enfin, autre, comme Jane aussi. Et du coup, on va voir ça tout de suite maintenant. Alors je vais vous demander de faire un petit tour, de vous présenter et quel est votre rôle dans le groupe. Alors moi c'est Joe à la contrebasse. Denis à la trompette. Thibaut au chant et guitare. Lulu au chant et aux petites percussions. Damien au banjo. Et Brice à la batterie. On a vu que Yokel c'était aussi Pecno, c'est ça? Pourquoi ce... Ouais. Ouais, c'était assez rigolo de s'appeler comme ça parce que surtout au début, on avait tendance à être un peu trop dans la lune, peut-être pas assez professionnel. Donc on avait vite tendance à être un peu en retard, à avoir oublié un câble ou deux, d'avoir machin. Et donc du coup, ça nous représentait plutôt bien. Plus sérieux, maintenant, on oublie moins de choses. Mais bon, on ne peut pas refaire sa nature. Hein, Qui veut raconter des anecdotes sur le groupe? On n'a pas encore cassé de chambre d'hôtel, donc c'est pas intéressant. À mon avis, la bonne anecdote, ça va être ce soir. Elle n'existe pas encore, mais à mon avis, ce qui va se passer quand on aura fini, quand on pourra aller se boire un petit coup ensemble, là, je pense que ça sera une nouvelle belle anecdote qui va commencer. Bon, ben, merci à vous pour cette interview, et puis que ça continue comme ça a commencé. Bah, on espère, puis ben, pareil pour vous. Hein. Et puis si vous voulez venir sur la grappe, hein, on sait jamais. Bah avec plaisir, quand vous voulez. Vous nous sonnez, on arrive. Ok, bah pas de soucis. Tu vas choper autre chose que des Lego ce soir? Ah ouais, là ça va être l'ambiance totale. Ce soir, si j'attire pas du monde avec ça. Moi ouais, du coup j'ai le droit de pêcher au Lego ou pas? Vas-y. Allez, embrasse-moi Lego. Déjà, le dernier Cabaret Vert, c'est Raphaël, c'était mon batteur. C'est ça. Voilà. Et maintenant, Raphaël, c'est la moitié de Anne. Donc c'est un changement de taille. Ça va aussi que le nouvel album s'appelle 2, alors que c'est le troisième, mais voilà. Petit. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à deux super musiciens qui jouent de ouf avec un écran géant derrière, mais plutôt orienté 8-bit jeux vidéo années 80. On a hâte de vraiment pouvoir jouer avec notre joujou géant. On a fabriqué, à partir du moment où on a su qu'on jouait au Cabaret Vert, on a installé notre emploi du temps derrière la porte au studio avec écrit 26 août
cabaret vert, on était là-haut, puis à chaque fois on avançait dans le temps, nanana, avec toute la liste des tâches qu'on avait à faire. Et bien hier soir, ça fait, ah tiens, en fait. On y est, c'est demain. Voilà, c'était un vrai objectif en soi, et d'y avoir déjà joué. On projette le spectacle, on a beau le construire dans une cave, on ferme les yeux, j'y suis sur la scène des illuminations, je sais comment c'est foutu, je sais combien il va y avoir de gens à peu près, je sais, enfin voilà. Donc c'est plus facile de construire son spectacle avec déjà une image bienveillante d'accueil et de... voilà. Alors bonjour à vous, bonjour. Qui êtes-vous et quel est votre rôle dans le festival? Moi je suis Christian Alex et je fais la direction artistique et programmation du festival. Comment on décide quel artiste on doit faire venir et pourquoi et comment ça doit être éclectique pour être assez éclectique? Moi je pense pas que la programmation soit éclectique en fait, je pense qu'elle est au contraire assez resserrée sur un pan du rock, du hip-hop, de l'électro, enfin je la trouve assez logique. Pourquoi je choisis ces artistes-là? Par goût. Moi, ce qui m'importe, c'est la finalité de l'affiche en globalité. C'est-à-dire que le groupe Korn tout seul, c'est un groupe intéressant, mais il devient intéressant quand il est monté dans une journée où on peut autant voir les Turbo Negro que Parquet Courts et que même Jane, tu vois. Et là, c'est pas de l'éclectisme pour moi de voir Jane, parce que Jane fait un pan aussi naturel vers Soul Wax. Korn fait un pan naturel vers Turbo Negro. Turbo Negro fait un pan naturel vers les Parquet Courts ou Band of Horses. Voilà. J'avais bien aimé quand on avait fait Iggy Pop, parce que c'était la première fois qu'on faisait quand même un artiste vraiment un mythe, tu vois, de la musique. Donc quand il est arrivé ici, pour tout le monde, c'était un peu comme s'il y avait les Rolling Stones, tu vois. Quand il est arrivé à la gare de Charleville, moi je me suis bien fendu la gueule quand je suis allé le chercher, de voir Iggy Pop débarquer à la gare de Charleville du train, tu vois, c'était assez marrant. Et de l'emmener au dormeur du Val, tout ça, c'était rigolo, tu vois, c'est un truc, c'est intemporel. Et c'est ce truc-là, moi, qui me plaît à un moment donné, c'est qu'on est à Charleville-Mézières, tu vois, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Monaco, on n'est pas dans une grande ville, on est dans un lieu où c'est pas normal d'avoir tous ces groupes qui viennent, tu vois, donc... Oui, bien, merci à vous et puis bonne continuation en espérant que ça continue comme ça des années. Merci, ouais, ben, bien sûr que ça va continuer des années. Bon alors voici certains artistes, il y en aura plein d'autres dans l'édition spéciale qui sortira dans quelques temps, hein. Voilà, oui. Je ne me prononce pas. Très bien. Et j'ai recroisé quelqu'un. Ah, qui ça? Un jeune homme avec qui j'ai pu relancer un défi, vous allez le reconnaître tout de suite et on va regarder ça maintenant. Alors je me retrouve au temps des Freaks. Et là, qu'est-ce que j'ai retrouvé? Clément de La Magnifique. Salut Clément. Salut. Ça va? Oui. T'es prêt pour un nouveau défi? Oui. On va tester quoi aujourd'hui? Bon, on va tester un jeu avec des billes. Et tu penses que tu vas me battre ce coup-ci? Ouais, je pense. Allez, quand tu veux. 8 points. T'es content? Ok, bon, ça est à moi maintenant. Vas-y, quand tu veux. Okay. Égalité. Deuxième chance à toi. 9, hein. Eh, tu commences à me mettre la pression là. Je suis désolé, hein. Bon, allez, bien joué. Bon, bah, le cabaret vert, j'ai fini, c'était super, on s'est bien amusé. Et on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles aventures. C'est des négationnistes de la fin, je veux dire, la fin n'existe pas. La fin n'existe pas dans le cabaret vert, clairement, il n'y avait jamais de fin. Bon, désolé Clément, hein, tu gagneras peut-être une prochaine fois sur un autre festival, on se revoit bientôt.